Allez, salut à tous les amis, c'est Lord Touplay, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien et je suis en compagnie de Yanami pour plus de Civilization 5. Oh yeah! Bonjour à tous, ici Yanami, bienvenue pour ce 9e épisode de Civilization 5 que je fais toujours en compagnie de Lord Touplay. Youhou! Voilà, et on va poutrer! On va poutrer! Oh on yeah! On va poutrer, Pascal! On va poutrer! Comment il s'appelle déjà? Lisbonne, c'est quoi? Ça oui, Portugal! Et moi, par contre, je vais me faire poutrer par les Arabes à côté qui... Ah, ça va. Là, il va y avoir du poutrage, là. Hein. Bah, je vous rappelle que nous sommes passés à l'ère industrielle, bien sûr. On rattrape petit à petit notre retard, même si on est très en retard, c'est pas très grave. Ils seront bientôt à l'ère moderne, nos compatriotes. Je crois d'ailleurs qu'ils sont déjà passés dans l'ère moderne, si je dis pas de bêtises. C'est possible, c'est possible. Mais bon, voilà. Nous, notre but, effectivement, ça va être... Oups. Je vais les contrer. J'ai failli faire une connerie de déplacement. Donc, vous voyez, j'ai rassemblé mes unités aux frontières d'Amsterdam pour aller capturer Villa Nova de Gaia. Que tu avais déjà capturé une fois. Je rappelle que nous avions eu un bug avec les vidéos, enfin, au montage, j'avais merdé, résultat, le son n'était pas calé avec la vidéo. Et de ce fait, bah, c'était irregardable, quoi. Enfin, ça n'allait pas du tout. Mais j'étais rentré en guerre contre les Portugais, voyez-vous, et j'avais réussi à prendre Villa Nova de Gaia, mais je m'étais fait reprendre encore une fois, bah, par les Portugais encore, mais non, mais c'est bon, Leon, c'est pas la peine de raconter, de regarder l'épisode. Bah non. Bah si. Bah non. Bah si. Bah non. Bah si. Bah non. C'est sur ta chaîne, c'est pas sur la mienne, ils l'ont regardé. Pardon. De quoi? C'est sur ta chaîne et pas sur la mienne. Ils l'ont regardé, je te rassure. Ah, le sac. Bah quoi? Attends, je déconne. Oui, c'est vrai que toi, ça... Mais c'était quoi, en plus? Bah moi, je devais faire un interlude qui, au final, est passé à la trappe. Ah oui. Et du coup, il n'y a pas d'interlude. C'est vrai, c'est pour ça. Attends, je vais peut-être... Voyons voir. Ouais, j'ai reculé mes canons. On sait jamais. Et là, je vais faire tirer mes Gatling. Bam. Bang bang les Gatling. Attention, oula là. Ah flûte, ici je peux pas. J'ai mes arquebusiers qui arrivent en renfort derrière là pour soutenir mes arbalétriers. Mais eux ils sont déjà aux fusiliers. Vous voyez, nous on a la technologie dans 4 tours. Dans 4 tours on pourra faire des fusiliers avec 30k de puissance qui est abusé. Et je pourrais tranquillement assiéger, pardon. Assiéger Villa Nova de Gaia pour m'en faire une ville pour l'annexer. Quoi, voilà quoi, pour l'annexer tout simplement. Dans 3 tours, nous avons également l'archéologie qui arrive. Oui, l'archéologie dans 3 tours. Ah, voilà. Ah oui, on n'a pas fait la même technologie, c'est vrai. Non. Et moi, je suis en train de me battre avec des camps barbares dans tous les sens. C'est vrai. Donc maintenant, il faut que je lance toutes les constructions. Alors à Utrecht, je pense que je vais faire des unités vu que. Ouais, je peux pas faire grand chose d'autre, hein, effectivement. Mmh. Ah, j'ai plus de routes commerciales, j'en ai que 2. Ah, d'accord, toutes mes routes commerciales ont été. Bon, bah, je vais faire des caravanes, hein. Il me faut forcément, des caravanes. Forcément, t'es en guerre avec le Portugal, donc. Forcément, ouais. J'améliore bien sûr, mais ils peuvent plus se déplacer, eux. Bon. Tour suivant, normalement, c'est bon. Attends, je regarde juste parce que ça fait longtemps. Ici, construisez une ferme, je viens de construire une ferme, ouais. Normal, toi, tu t'installes à l'ouest de d'Arnhem. Avec Ramsey, ouais. Ta petite ville. Ouais, avec Ramsey, en plus, ouais, c'est mes ouvriers que t'as. Je suis deg. Et on tardera pas trop à aller assiéger Palenque, hein, histoire que ça bouge un petit peu, quoi. Hein. Il faut le dire, bon. Il faut le dire. Il y a un moment, bon. Ouais. Et j'ai un ingénieur illustre aussi. Petit ingénieur illustre. Ouais, bah ouais, t'as un ingénieur illustre, ouais. Effectivement. Ouais, ouais. Bon, bah, tour suivant. Allez, hop. Tour suivant, vas-y. On va pas tarder plus longtemps. Ce qui est complètement débile, ce que je viens de dire. Complètement. C'est pas grave. Oh putain, idéologie adoptée. Ah, c'est pas nous, d'accord. Putain, 3 idéologies adoptées. 4. Putain. Oh putain. Attends. Alors. Qu'est-ce qui s'est passé? Unité de cavalerie. Oh putain, ils m'ont bousillé mes canons, les salauds. Oh, qu'est-ce qui s'est passé là? Ouah, qu'est-ce qui s'est passé? Attends, bon, alors, attends. J'ai du mal à suivre. Willem, recrue, a réuni suffisamment d'informations à Tikal pour voler une technologie aux Mayas. Alors, qu'est-ce qu'on vole? Il me semble qu'on avait choisi archéologie. Bah, moi, l'archéologie, je suis déjà en train de la faire. Alors, théorie scientifique, on prend. Vu que fusil, je l'ai dans 3 tours.
Le plus logique. L'archéologie d'un deux tours. Bah, ouais, le plus logique, théorie scientifique. Ouais. Allez, on a volé une technologie aux Mayas grâce à notre espion qui est en train de camper depuis 100 tours au moins à Tikal, donc la ville de Pascal. Bah, écoute, la ville je vole une nouvelle technologie à Palenque dans 53 tours dans 58 tours à la Mecque. D'accord. Ok, bon, on a le temps. Ça prend... c'est quoi ça, idéologie idéologie, autocratie. Alors, le Portugal alors, et en Byzance... Fait, okay. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va, se pas... il va y avoir en fait une guerre d'influence. Okay. Y a trois idéologies possibles. L'ordre, l'autocratie et la liberté. Tout à fait. Chacune ont des avantages et des inconvénients. Mm-hmm. Forcément. Si tout le monde prend l'autocratie et qu'on est deux cons à prendre la liberté, on va se faire rétamer de la mort qui tue. D'accord. En bref, cela va créer du mécontentement. Okay, là, au contraire, si tout le monde prend l'autocratie et qu'on suit dans l'autocratie, cela va créer du bonheur global. D'accord, oui, parce que c'est vrai que global, voilà. Là, ils prennent pas mal de bonheur. Je vois que la Russie a 31 de bonheur. Ouais. Et Portugal, 8, ce qui n'est pas négligeable. Mais nous, on peut pas ou pas enfin, on ne peut pas encore. On pourra dès qu'on aura développé 4 doctrines. En construisant une troisième usine ou en entrant dans l'ère moderne. Ouais, faut que je construise 3 usines. Allez vous faire foutre. Alors, Byzance et l'Arabie sont amis. Byzance, ok. Ils ont des missionnaires. Les habitants de Douglas sont comblés. Ils ont des missionnaires, les barbares. Attends, Aberystwyth Swift possède. Putain, attends. J'ai une espèce de remontée là. Ils les ont capturés, ouais. Flûte. Très bien, Aberystwyth Swift produit. Ensuite, Pézance possède désormais 4 citoyens. Pézance, ils produisent de la bouffe. De la bouffe à ne plus savoir qu'en faire, c'est parfait. Ok, j'ai protégé mes Gatling, là j'ai fait un mouvement assez bien là, assez beau, faut le dire. Ah ouais. Parce que j'ai des cavaliers, ouais, ils ont ramené des cavaliers, les salauds. Ici je peux viser quoi? C'est quoi ça? Ah, oh, des missionnaires portugais qui veulent me convertir mes villes. Ah les salauds, les salauds. Ah, ils vont bientôt mourir les prophètes illustres là, je sais pas pourquoi. Ah, génial, cool. Ah mais c'est toi qui les bon, bombardé. Bah moi je vais pouvoir avancer là, j'ai mes... Ouais. C'est bien, là je suis bien positionné. J'ai une unité de lanciers qui va arriver, donc des cavaliers, et je vais pouvoir aller envahir Villanova de Gaia. Et bien sûr, dans 3 tours, j'aurai les fusiliers. Ah, ben eux, ils ont pas fini le... Ah si, génial. Oh, j'ai plein de thunes. Plein de thunes. Et j'ai encore beaucoup de personnages illustres, des artistes principalement. Ouais, moi aussi, j'en ai un ou deux qui traînent par-ci, par-là. En fait, non, moi j'en ai plus qu'un, parce que j'ai construit des musées, j'ai construit un paquet de trucs, donc j'en ai plus qu'un. Ok. Qui est pas mal d'ailleurs. Alors je peux construire apparemment. Ah, à Groningue. À Groningue. À Groningue. Un zoo. À Groningue. Parce que je rappelle que j'ai encore 4 de mécontentement. Donc un zoo 7 tours, ce serait peut-être pas si. Moi je viens de passer dans le bonheur. Il était temps. C'est peut-être pas si stupide. J'ai 5. Non, je vais d'abord prendre une écurie. Nous sommes en guerre. La production avant tout, chers amis. Productivité, voyons. Tour suivant. Je suis en train de contrôler mes villes. Oh non, attends. Putain, attends. Oh, je suis deg. Putain, je suis deg. T'as oublié d'attaquer? Non, je voulais juste reculer mon unité de lancier parce que j'ai des arbalétriers portugais là qui vont me... Ah ouais, ils vont te flinguer. Ah, ils vont me flinguer là. Ils vont te flinguer. Putain, mais je suis deg. J'ai pas de chance, il faut le dire. Bon. Oh. Il y a un moment, il faut l'avouer, quoi. Bah. Je vais avoir une caravane de prêtres juste après le tour, s'il veut bien le passer. Dans cette caravane. Pardon. Nanana. Si nous partons, allez, viens. C'est quoi, ça, encore? Bah, Raphaël, caravane. Wouah. Ah oui, c'est vrai, putain. Alors, lui. On est en 1904. Waouh. Attends, alors là, quoi, là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Attends, oh putain, j'ai carrément une barre, c'est pour scroller tellement il y a de... On a déclaré la guerre à machin, donc les Allemands et les Aztèques, je crois que c'est les Aztèques, a déclaré la guerre Moctezuma aussi les Aztèques. Aux Japonais et aux Arabes, ouais. On fait une déclaration publique, ouais, on s'en fout. Catherine a déclaré la guerre à Rachid. D'accord, oui, ils se déclarent tous la guerre. Lisbonne a fait le Louvre. Faut vraiment que j'aille capturer. L'Indonésie a dénoncé l'Allemagne. Et ça, c'est quoi, les Mayas. Oh putain, leur missionnaire à la con là. Flûte. Putain, qu'est-ce que. Putain, j'ai du mal à me déplacer là. Euh.
Donc, caravane dans cette cape. Ça y est, tu me l'as mis dans la tête. Ça y est. Alors, qu'est-ce qu'il me faut de la bouffe? Faudrait que j'aille à... Attendez. Harlem, pardon. Putain, je m'embrouille maintenant dans les noms de villes. Harlem. Oh, regarde, qu'est-ce que je viens de trouver en faisant bouffe, en déplaçant mes cavaliers. Voilà, confirmé. Les prophètes illustres que tu avais tenté d'annihiler, je viens de les capturer. Pardon, j'ai pas écouté. Les prophètes illustres en dessous du trek que tu avais tenté de bombarder, je viens de les capturer. Où ça? Ah oui, là. Ah oui, pardon. Ouais. Oui, et oui, j'avais oublié, tu m'avais dit de coloniser le petit bras de terre, là, juste, oui, juste à côté. Oui, oui, oui. Parce que, bon, on se rappelle à peu près de ce qu'on avait fait, quand même, dans les épisodes qui n'ont pas été uploadés. Bon, les cavaliers ont décidé de se barrer. Ils ont compris qui c'était, les patrons. Oh, putain, quel bombardé. Oh, mais putain, je me suis gouré de clics. Quel idiot. Ah, ouais. Mais quel idiot. Bah non, c'est bien de mettre une unité là, comme ça, ça protège ton arquebusier qui va pouvoir bombarder tranquillement. Par contre, ta guerre à toi, elle est loin de finir. Oh, t'as un missionnaire barbare à côté de Rotterdam. Ouais. Oh, mais quel... ça m'énerve. Ah, qu'est-ce que vous voulez, les gens, hein. Learn to play, c'est pas joué, hein. Quelle stupidité. Oh, c'est chiant, ça. Putain. Bon, ça va prendre un tout petit peu plus de temps que prévu, résultat, parce qu'il y a son clampin de fusilier de mes deux là qui est resté. Et j'ai déplacé mes arbalétriers au lieu de les faire tirer. J'ai du mal à parler en plus. rien ne va plus. Rien ne va plus à Villanova de Gaia. Ah, Villanova de Gaia. Dans deux tours, j'ai les fusiliers, ouais. Effectivement, c'est bien que ça arrive un jour. Ici, l'archéologie au prochain tour. Science. Bah les coups, je vais faire des arquebusiers. 3 tours, choisir une construction. Amsterdam, qu'est-ce que je peux faire? Une école publique, obligé, ça prend que 2 tours. Et vous restez là. À Zutphen, faut pas que je l'oublie, hein. Il y a un marché qui est en train de se faire. Ok, tour suivant. Espérons que tout se passe pour le mieux. Et qu'on les extermine tous. Une bonne guerre. J'avais relancé la croissance. Ou pas. Ou pas. Comme ça, tout le monde va travailler. Site antique. Ah putain, c'est quoi ce délire? J'ai oublié, c'est quoi là, les sites antiques? Les sites antiques, faut les choper avec des archéologues, mais il te faut de la place. Ouais. Je pense qu'il te faut de la place dans les musées, etc. avant de faire ça. Ok. Il y a le conseil de Moscou, alors qu'est-ce qu'on fait avec le. J'ai oublié aussi ça. Pour changer l'organisateur, c'est ça, il me semble, non? Ah non, c'est eux qui l'organisent. C'est les Russes qui organisent. Ouais. Donc religion mondiale, l'islam, non. On met contre? Ouais. Attends, pour l'instant, j'ai une mitrailleuse Galtin qui vient d'arriver. Alors, qu'est-ce qu'on va chercher? Je vais chercher la science militaire. Je mets mes délégués contre la religion mondiale, l'islam. Ouais. Pour l'instant, je sais pas. Non. Sinon, il y a site d'héritage culturel proposé par Catherine. Et chaque merveille mondiale fournit... Ouais, c'est de la merde. Bon, je mets contre la religion mondiale. Non. Et je dis non. Site archéologique, vous avez découvert l'archéologie. Vous avez découvert l'archéologie. L'archéologie, George Santayana. Ceux qui ne peuvent se rappeler le passé sont condamnés à le répéter. Joli. Ah putain, j'étais en âge d'or. J'avais même pas fait gaffe. Ah bah tiens, ils ont un site archéologique qui vient de spawn en plus. Bon, alors toi tu vas... Au diable. Hop. Oh bah tiens, j'ai un personnage illustre qui a spawn. T'es toujours là, Michel? Oui, je suis toujours là. D'accord, ok, j'ai cru qu'il y avait un petit problème. J'ai un général illustre qui vient de spawn, Akbar. C'est dans Star Wars ça, le général Akbar. Le mec. C'est vrai, il faut le dire. Pour tous les nostalgiques de Star Wars, bon, on est d'accord. Ok, alors vous allez avancer. Ah, est-ce que tu peux... Oh, yeah, tu peux l'avoir, génial. C'est bien ça, j'avance sur les terres portugaises. Je m'aventure petit à petit. Qu'est-ce qu'il y a ici? Des fermes, des marchés, toujours plus d'or. Ah, je suis en déficit malheureusement. Ça, c'est le recrutement là qui m'a bien coûté cher. Bon, toi tu vas rester là.
Toi, tu as avancé. Tu as avancé là, ouais. Tout à fait. Alors, construction. Harlem. Qu'est-ce que je peux faire à Harlem? Ouh, je peux faire des trucs. Putain, je suis toujours... J'ai des sites antiques qui ont poussé dans tous les sens. Ouais, moi aussi, j'en ai pas mal. Mais bon, il faut des... Malheureusement. Il y a un camp barbare que j'ai découvert à côté de Kupang. Kupang, c'est la ligne, tu sais, que j'explore jusqu'à, pour aller jusqu'à Moscou. D'accord. Putain, je sais vraiment pas quoi construire à Harlem. Je peux pas construire d'usine vu que j'ai pas assez de charbon. Va falloir que j'ai... Ah bah tiens, j'ai une mine de charbon ici. Il me faut du charbon. Parfait. Je vais construire un aqueduc. J'ai 7 de charbon ici. Oh là là là, il faut que j'envoie mes ouvriers. Moi, faut que j'aille prendre X-Mal pour choper le charbon. Tout à fait, tout à fait. Eh bien, je pense que... Tour suivant. Attends, deux secondes. On peut passer le tour. Et on passe le tour. Ah, j'ai pas fini de construire la route. Mais quel con. Oh putain, l'idiot. À chaque tour, il va nous dire « Mais quel con, j'ai pas fait ci, mais quel con, j'ai pas fait ça. » Non, mais, non, mais c'est bon, on le sait que t'es un con. Maintenant, on passe à autre chose. Oh putain, quoi. Résolution promulguée. Ah, rejeté, j'ai eu peur. Ouf, génial. Ouais, tout le monde ne voulait pas l'islam. Et si d'héritage culturel, pareil. Ah, c'est clair. Ah, toi, fusillé. Wow. Oh, c'est parfait. Oh putain, une Gatling barbare. T'es sérieux? Qu'est-ce qu'elle fout là? Bah, j'en ai une moi en bas que je suis en train de combattre. Ah, mais t'es sérieux? Ouh, j'ai réussi à l'avoir. Décidément, par contre, ça n'a pas beaucoup de. Oh putain, ils ont des Gatling, les bougres. Ça va pas être si facile que ça. Ah, bah tiens, j'ai du charbon ici, 7 aussi. Oh là 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 là, putain, c'est bon ça. Je vais essayer de les avoir à l'usure. En faisant de plus en plus d'unités, mais. Ah putain, le con, je savais pas qu'ils pouvaient se déplacer là. Ils vont se faire bombarder, mais c'est pas grave, ils sont là pour ça. Vous allez aller prendre des dégâts. Ouais, vous allez rester là, voilà, c'est parfait. Vous restez en état d'alerte. C'est très important. Je vais bientôt avoir une école publique et une nouvelle technologie. Alors, qu'est-ce qu'on se fait? Rassure-moi, on est en guerre contre le Portugal. Tout à fait, oui, ce sont mes ennemis. Oh, je vais pouvoir leur capturer un ouvrier. Parfait. Alors, on peut déjà commencer à rechercher l'électricité pour pouvoir faire des bourses. Oh, les grosses bourses. De l'aluminium et des centrales hydroélectriques. Parfait. C'est bien ça. Ou alors la biologie qui révèle le pétrole et on pourra bien sûr exploiter ce pétrole. On pourra établir. Il y a engrais aussi qui génère plus de nourriture pour les pâturages. Ou alors il y a bien sûr... Il y a bien sûr sciences militaires. On prend quoi, cher ami? Moi, j'ai pris sciences militaires. 4 tours. Bon, je te laisse le faire tout seul. Je prends engrais. Ouais, on peut le faire à deux. Hein. Ouais, mais ça prend 4 tours quand même. Ah, mais c'est parce que... Non, c'est parce que tu l'as sélectionné. C'est normal. Ok, bon, on va faire service militaire et puis on prendra engrais juste après parce que on a besoin de croissance. Ok. Moi, je suis en train de rempartiser ma ligne de ville face à l'Arabie, là. Ok, ici une ferme. Juste un truc, au niveau des villes frontalières, pense à vraiment faire des remparts. C'est vraiment utile. Ok, pas de problème. Pas de soucis, quoi. Attends, par contre, je vais juste essayer de me faire cette Gatling. Gueux. Parce que là, je vais souffrir. Oh, il ramène des fusiliers. Putain, faut que je fasse gaffe. Unité en attente d'ordre. Hop, tu te soignes. Tour suivant, très cher. Nous sommes en 1908 après Jésus-Christ, la première guerre mondiale n'a toujours pas éclaté. En effet... Non, j'ai... Le mec! La femelle de l'éléphant se reproduit quand... Ça me rappelle un truc. Tu savais que l'éléphant était l'un des seuls animaux qui peut dormir debout? Même qui doit dormir debout? Ah ouais. En se défendant, une de vos unités... Oh putain, j'ai pris cher. La Gatling barbare là-bas, elle te fait mal à la haie. J'ai pris très cher là, à mon avis. Oh, les Mayas, ils ont obtenu l'idéologie de l'ordre. Flûte. Oh putain. C'est qui? Je peux bombarder? Oh malheur. Oh merde. Il y a un camp barbare juste à côté, juste au-dessus de Ramsey, de Arnhem. D'accord. Ça die pour toi. Oh, j'ai capturé un ouvrier! Ça die pour toi,
Hop là, moins 18 avec des arbalétriers, s'il vous plaît. Oui, oui, oui. Vous allez rester là. Ah oui, ça c'est vous aussi. Vous, vous allez vous soigner. Et vous, eh bien vous, vous allez aller en direction de, de ce magnifique gisement de charbon. Dans le but, bien sûr, de l'exploiter. Et de faire des usines pour pouvoir adopter une idéologie. Ah, je vais faire une banque. Une banque. Banque, banque, banque. Ou alors un cirque. Cirque, ça fait d'autres bonheurs. Là, il me faut du bonheur. Il me faut plus de bonheur. Trop de bonheur. Emplacement chef d'œuvre artistique ou artefact de... Oh, ça peut être sympa, ça. Arsenal. La ville doit posséder un château fort. Un château ou un fort mongol. Hein? Eh bien, écoutez, si vous le dites... Je vais faire des fusiliers maintenant. Je peux me lancer dans la production de fusiliers. C'est parfait. Bah, d'ailleurs, les arquebusiers ont été remplacés, il me semble, non? Enfin, dans la production. Voilà, les arquebusiers sont remplacés par les fusiliers. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Bon, ça me fait perdre quelques tours, mine de rien, mais... Ah ouais, l'ordre là, l'ordre, c'est donc t'as la Russie et les Mayas sur l'ordre. Byzance et le Portugal sur l'autocratie. Waouh. Je vais faire un phare ici. On peut commencer à échanger des chefs-d'œuvre également. Ah, on peut échanger des chefs-d'œuvre. Intéressant, ouais. Je ne le savais pas, vois-tu. L'Allemagne est l'une des villes les plus influentes. Ah, il y a le camp barbare ici. Ouais, mais l'Allemagne, il se la touche à Pétauschnock, là, donc... on s'en fout pour le sang des Allemands. On s'en contrebranle les cacahuètes, si vous voulez tout savoir. Et du coup, YouTube, j'ai rien à faire, moi. J'ai tout fini. Eh ouais. Tu pourras m'aider au-dessus de Arnhem, s'il te plaît. Il y a un camp barbare qui a spawn. Au-dessus de Arnhem. Hein? Ah ouais, merde. Là, ça va être compliqué, par contre. J'ai un observatoire dans un tour, maintenant. Mmh. Ou deux tours. Non, je sais plus. Attends, je sais pas s'il l'a compté, là, le tour. Attends, faut attendre. Non, dans un tour, j'ai un observatoire. Parfait. Ah. Parfait, parfait. C'est cool. Parfait, un ennemi est pas. Bah, tu viens de finir un moulin à vent sur Rotterdam, non? Oh, putain. Qu'est-ce qui branle, là, eux? Oh, purée, c'est quoi, ce fusil, là-haut? Oui, c'est exactement ce que j'étais en train de me demander. Donc ça, tu vas te mettre là, oulala, oulala, c'est tendu, hein. Tu vas dormir, toi, et toi aussi, tu vas dormir. Parce que toi aussi, tu dors, parce que toi, t'es vraiment trop... Ah, je peux viser la Gatling. Parfait. Parfait, parfait. Et ici, je vais ramener mes lanciers. Bon, ils vont se faire sûrement défoncer, mais bon. Oh, mais gars, ça fait 2 ouvriers que je leur capture aux autres clouclous, là. Aux clouclous. C'est quoi des clouclous? Le Portugal. D'accord. Bon, je vais faire peut-être un zoo, non? Ou un fusilier, 6 tours. Bon, si, je vais faire un zoo, allez, comme ça sera fait, il me faut du bonheur. Si je veux que mes villes retrouvent une certaine croissance, ce serait pas stupide, vois-tu. Chantier naval, ouais. Non, opéra, ouais. Il me faut vraiment du charbon, hein. Faut vraiment du charbon. Je vais faire une caserne, tiens. Ouh. Ok, au prochain tour, je pourrais faire une route. Et là, parce qu'ici, j'ai... Je perds 22 or par tour. Pourquoi? Ah. T'as les boules, non? Un peu. Bah, je pense que c'est bon. Moi, je... Ah non, attends, il faut que je fasse avancer, mes amis. Putain, ils vont mettre 30 ans avant de construire ça, je sens. Et ici, j'ai... Si c'est bon, la route passe juste en dessous des polders. Les polders. Voyez-vous les polders? Bien, je peux passer le tour. Et je passe le tour. Ouais, je vais le passer aussi. Après, je vais prendre un petit peu de temps pour refaire un peu mes villes et leur organisation. Je perds trop d'or là. D'accord. Tout à fait. Effectivement. Je suis d'accord. Bon, des troupes ennemies ont été repérées près de la Haye. Eh, hey, on est en 1914, le début de la guerre. Promotion d'unité. Oh putain, je suis à moins 1 de déficit.
Et tu as exploré très loin là, tu as découvert les Russes qui se planquent, ouais. ils ont déjà des comment ça s'appelle ça? Ils ont tellement de merveilles les types. Regardez-moi ça quoi. Ils ont des blindés. Hop là, doctrine adoptée dans le commerce convoi de chariots. Bien. Et ça ils c'est ont trop des fort. On va dire des Marines hein. Ouais, des Marines américains hein, voyez-vous le modèle, c'est ça, mais eux ils sont juste ultra avancés hein. Regardez-moi toutes ces merveilles, mais ils peuvent se le permettre hein. Ils ont pas à se faire chier avec enfin eux ils rushent les murailles, mais bon à mon avis niveau croissance ils doivent pas être super super géniaux. Ah bah tiens attendez, je peux les améliorer. Ah on m'appelle mais je ne vais pas répondre. En effet, ça, on sent qu'on t'appelle. Vu que je ne suis pas... Oui, je sais, c'est un petit peu fort. Bon, hein, c'est un... Mon téléphone, il est pas... Et là, paf, troisième ouvrier que je capture au Lisbonnais. Et là, normalement, il y a mon putain de... Comment ça s'appelle mon putain de répondeur de Fifou. Qui vient de se mettre. Eh mon gars, j'ai capturé deux ouvriers, là, au Portugal. Ça m'arrange trop, quoi. Ah, bah c'est cool, ça. Carrément, regarde ça, ça arrive là, ça arrive en masse. Je vais me faire une petite bank. À Arnhem. Ah bah j'ai fini l'observatoire, j'ai 200 de science, c'est bien ça. Tu as 180. Génial. Un musée ici, rien à foutre. Je continue à produire des unités, fusiliers, toujours plus de fusiliers, ok. Bah c'est parfait, on avance bien hein, mine de rien. Allez hop, tour suivant. Je vais faire un petit tour chez toi là. Ouh putain. Ou Pascal là avec ses caravanes. Ouh putain, Uxmal. Ouh, toi t'as toujours pas de fusilier. T'as quelques Gatling effectivement pour te défendre. Mais ouais, c'est léger hein. T'inquiète pas là. Moi je gère de mon côté. J'ai pas de soucis à me faire. Ouais, okay. Édimbourg, tu as repris un petit peu du poil de la bête. Cardiff a dépassé ta capitale, sans deck. Je sais. Non mais là, je veux dire, faut que tu te reprennes, faut te ressaisir un petit peu. Moi je dis, une bonne guerre. Comme ça, tout le monde peut travailler. T'inquiète pas, ça va arriver bientôt. Bon, je reviens chez moi. Je reviens chez les Hollandais. Ouais. Moi je suis en train en fait de retoucher un petit peu à toutes mes... toutes mes villes parce que ça me va pas là, comment ça se développe ça me va pas, donc je suis en train d'essayer de trouver des solutions. Je vais de repasser à 16h. Ah mais attends du coup, est-ce que je l'ai fait? Oui je l'ai fait il me semble. On l'avait fait ensemble. ça fait trois fois le mot ensemble. Mais oui mon ami, nous l'avons fait ensemble. Oh d'ailleurs je ne garde un souvenir exquis. Une paire de fesses comme la tienne ne s'oublie jamais. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Ah bah oui, là, tu me tends la perche, faut dire ce qui est, hein. Au sens figuré, hein. Je te tends la perche, non. Oh, tu ne peux pas. Allez, passe le tour, vieux sac. Je passe le tour. Et il passe le tour. D'ailleurs, c'est le dernier qu'on va passer, je pense. Enfin, on passe le prochain et puis on arrête là. Ah ouais, putain, déjà non. Bah ouais, ça fait 30 minutes, hein. Ah ouais. On est en 1916 et je suis en déficit. On a découvert la science militaire. Je viens de me faire défoncer. Mais pas dans le... Non, enfin, défoncer... Là, parce que je le voyais venir direct, lui. Direct. Bon. Ah, mais c'est net. La route. Ok. Cette vieille est reliée. Ici... construire un marché. Je comprends pas, j'ai fait 15 000 marchés et pourtant j'ai rien quoi. J'ai pas, je suis en déficit. Il me faut du charbon. Ça me fera 7, je vais pouvoir construire des usines et on pourra adopter une idéologie si tout se passe bien. Non. Ah, il allait développer Sio. D'accord, en fait. Il s'en va. Je l'ai empêché de développer sa nouvelle ville, Sio là. Sio. Ouais, la ville à Portugal. Et il me fait mal le bougre là. Le bougre d'âne. Attends. Okay. Juste avant. Ok, tac.
Hop, des fusiliers. Bon, je continue de... Ah, oh, le sale... Ouf. Ouh, il a pas aimé. Putain, c'est vrai que les unités, quand elles se déplacent en bateau, elles prennent plus cher, non? Oui. Ah oui, parce que le mec, là, il a pas aimé ce que je lui ai envoyé, là. Tiens. C'est quoi que russe? C'est des coulants russes dans tous les sens, là-bas, là. Oui, il prend cher, le bouc. Ça risque de prendre un petit peu de temps avant de... Saint-Pétersbourg, j'ai les découvert. Les envahir, pardon. Mais va falloir que je renouvelle mon armée, il me faut des fusiliers. Et des Gatling à tir au larigot. Ici, ben, qu'est-ce que... À Nijmegen, tiens, je... Ben, une banque. Ça va être chaud de conquérir Uxmal, quand même. On part sur quoi, très cher, en engrais, j'avais dit. En science. Je pars en engrais, moi. Il faut le faire engrais parce que, attends, on est en 1916, on n'a pas fait engrais, tu sais. Ben, nous sommes des bio. Voilà. Bah attends, l'engrais, ça ne veut pas dire que c'est pas forcément synonyme de non bio. Enfin, tu vois ce que tu me comprends. Non, je te comprends pas. Les engrais peuvent être, enfin, tu peux les utiliser dans les cultures bio, mais ça dépend la nature de l'engrais. Enfonce-toi, oui. Vas-y, enfonce-toi. Mais non, mais sérieux, tous les engrais ne sont pas chimiques, hein, Jean-Guy. Surtout à cette époque. Enfonce-toi encore plus. Mais quoi, je m'enfonce pas encore plus. Ah bah si, là, on touche le fond, là. Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Bon, je remarque que t'as de la place au-dessus de Palenque et à droite de Arnhem. Faudrait également, enfin, aller coloniser là, c'est déclarer la guerre. Non, mais je suis blessé, tu me parles plus, d'accord? Non, mais il y a Breda des limites. Pourquoi t'as des villes qui grandissent plus? T'as Breda qui grandit plus. Il te faudrait peut-être retoucher les spécialistes là-bas. Je vais me faire un archéologue à Utrecht. Deux secondes, qu'est-ce que tu disais, pardon? T'as Breda qui ne grandit plus, il te faudrait bouger les citoyens pour que ça se remette à grandir. C'est où, Breda? Bouger les citoyens? Oui. Ah. Comment ça, bouger les citoyens? Ben, modifier le travail des citoyens. Ah, bouf. Boulet! T'es un boulet. T'es tellement un boulet. Bon, c'est bon, ça reprend. T'es trop un boulet. Voilà. Bon alors. Tu remarqueras, j'ai trois ouvriers qui arrivent à droite de Breda. Tu te demandes d'où ils sortent, tu sais. Ah, j'aurais une petite idée, mais bon, ça va pas te plaire, hein. Bah, des. Du cul du Portugal, c'est tout. Bah oui, forcément. Ouais, j'embauche. Tu comprends, moi, j'embauche des Portugais, je les fais travailler pour pas cher. Ah, il est comme ça. Il est comme ça. Bon, allez, vas-y, on passe le tour et puis on va se laisser là-dessus. Parce que sinon, je sens que ça va partir. Eh bien, en couille, eh bien, il faut le dire, hein. Il faut le dire, à un moment, il faut le dire. Allez, moulin avant, et c'est parti, tour suivant. Et puis, on va se quitter là-dessus, hein. Ça fait 33 minutes, quoi, bon. L'air de rien. Burp. N'empêche, j'ai capturé tous les ouvriers qu'il a envoyés à Suo, le mec doit être trop fan, quoi. Complètement, quoi. Les Mayas et la Mongolie sont amis. On s'en fout. Wouah, le mec, le corsaire, il me ramène les barbares me ramènent des corsaires, quoi, ils sont sérieux. Ouais, ouais, bah pareil, ouais. Les mecs... Bon, par contre, ça sert à rien de faire... de jouer. Bon, écoutez, les amis, en tout cas, on espère que vous avez aimé cet épisode. Laissez un petit j'aime, un petit commentaire, puis nous, on vous dit à la prochaine pour le 10e épisode. Mais regarde ça. Attends, juste avant, regarde à droite de la haie. Regarde la haie, je vais encore capturer deux ouvriers, mon gars. Mais c'est où, la haie? La haie, c'est tout à droite. Ah, ouais, d'accord. Mais c'est bon, ça a fait les chier. Bon, allez, sur ce, on se fait ça. Hein. Allez, ciao, ciao, les gens. Je vous remercie à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à laisser les pouces verts, les commentaires, les pouces pas verts, ceux que vous voulez en dessous de la vidéo. Et je vous dis ciao, ciao. Ciao, ciao. Portez-vous bien. Portez-vous bien.